va jeter. Oh, la droite. La droite et le premier point de Joe Tapi. Elle a claqué. En plein centre du ring. Ça, c'est... Bravo. Et il reste 15 secondes. 15 secondes dans cette quatrième reprise. 15 secondes pour cadrer. Travailler encore la droite à l'intérieur. Ah, l'uppercut. Et la fin de cette quatrième reprise. Avec ce voyage au tapis d'Iliev. Superbe. Okay, he knows you can hurt him. He's a fool if he keeps coming forward. Keep picking your shots, okay? Because you can hit him with big shots. So you don't have to have an off line, just a good jab and keep placing those good shots and walking him into it, okay? If you have that right hand, step in and hit him with that right hand, okay? Everything good? Everything good? Good. So if you'd have had a minute, you'd have stepped it up a little bit to try to finish him. So when he got up, you did the right thing. You didn't go crazy. Okay, try to get one through within the first 10, 15, 20 seconds, okay? We move out the way with you. Virgil Hunter qui a parlé en vieux sage, qui a dit c'est bien, juste après le knockdown, t'as pas voulu aller chercher le KO tout de suite. Et par contre, regardez, il lui avait demandé d'accélérer, il n'aura même pas besoin. Allez, c'est plus sage, c'est beaucoup plus sage, effectivement, de retenir Iliev comme ça l'avait été avec Mikalkin. Entre le voyage au tapis et la blessure. Et la première défense de titre victorieuse de Souleymane Sissoko, qui nous a gratifié d'une droite somptueuse, Fabrice, pour aller chercher une 9e victoire par KO. Non, mais il progresse, voilà, on le voit qu'il progresse à chaque combat.